bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment enregistrer un article ou une page web sous format pdf grâce à une extension navigateur donc l'objectif de ce tutoriel c'est lorsque euh, quand vous naviguez sur le web vous tombez sur un article ou une page quelconque qui vous intéresse et que soit vous n'avez pas le temps de lire en entier, ou alors vous trouvez tellement intéressant que vous souhaitez en garder une trace. Donc, plusieurs euh, possibilités, plusieurs outils euh, s'offrent à vous. Et euh, donc aujourd'hui, moi, je vais vous montrer comment, en fait, euh, imprimer un PDF de euh, cet article ou de cette page web que vous souhaitez conserver euh, quelque part. Donc, en fait, je vais prendre un exemple, là, un article, vous voyez, qui est relativement, euh, enfin, qui est plus ou moins long. Et je vais vous montrer comment euh, faire pour imprimer l'intégralité de l'article. Donc, on va commencer par le titre, on va voir l'image, on va voir les photos. Euh, et euh, théoriquement, on a même, je crois, la table des matières. Je m'avance peut-être un petit peu, mais enfin, on verra ça ensuite. Avant de passer dans le vif du sujet, je me permets de vous rappeler, comme avant chaque vidéo, de euh, cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner afin qu'il se colore. Pourquoi faire cela Tout simplement pour m'aider à mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube. Donc si vous appréciez mes tutos, euh, vous pouvez m'aider comme ceci. La seconde façon dont vous pouvez m'aider, c'est aussi en cliquant sur le plus qui se trouve dans la description sous la vidéo. Et si vous avez des achats à faire, notamment pour tout ce qui concerne WordPress, donc là ça s'adresse plus particulièrement à ceux qui veulent créer un site avec WordPress ou qui gèrent déjà un site avec WordPress, si vous avez besoin d'acheter une extension, un thème ou un hébergement pour votre site internet, vous pouvez passer par mes liens. Qui se trouve dans cette description, dont certains sont des liens affiliés, c'est-à-dire que lorsque vous réalisez un achat via ce lien, je touche une commission sans que le prix soit différent de si vous passiez directement chez le marchand. Donc vous, ça ne vous coûte pas plus cher, moi, ça me fait gagner quelques euros, c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps et de vous proposer des tutoriels qui vous sont accessibles gratuitement. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'extension navigateur dont je vous parlais, c'est tout simplement Print PDF. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est catastrophique, disons-le. Voilà. Donc, cette extension, elle vous permet donc d'enregistrer de, euh, de, de de, les contenus web qui vous intéressent sous forme de PDF. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la page de, de l'extension, sur le site de l'extension, printfreehandly.com, vous pouvez même, euh, si vous ne souhaitez pas ajouter d'extension à votre navigateur, en fait, vous pouvez garder de côté l'adresse du site et il vous suffit d'aller chercher l'adresse de la page que vous voulez imprimer en PDF. Donc, l'adresse, vous la trouvez ici dans la barre d'adresse. Donc, vous la sélectionnez, vous faites un double clic, enfin plusieurs clics plutôt gauche, euh, vous faites un clic droit, vous cochez copier et vous allez coller ici, donc un clic droit, votre adresse. Vous allez pouvoir avoir une prévisualisation de votre euh, imprimé ainsi généré et vous allez voir qu'on va pouvoir faire éventuellement des modifications. Donc, vous inquiétez pas du message euh, qu'on voit euh, ici. C'est très probablement parce que j'ai un euh, bloqueur de publicité. Donc, on ne va pas s'en soucier, puisque, a priori, tout a l'air de fonctionner correctement. Voilà. Donc, on retrouve bien euh, l'article dans son intégralité, avec notamment l'image en tête. La seule chose qu'on ne, qu ne voit pas, c'est le fameux message d'alerte ici. Mais euh, c'est. C'est pas plus mal puisque en fait ça c'est un message qui avertit les lecteurs de l'article euh, qu'il peut y avoir des liens d'affiliation dans l'article, ce qui est euh, pas forcément indispensable pour vous. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez quand vous passez sur euh, les différentes zones, vous se met en surbrillance et vous avez une icône de poubelle. C'est ça, ça veut dire qu'en fait vous pouvez supprimer des éléments alors vous ne pouvez pas supprimer ni le titre ni l'adresse web à laquelle se trouve l'article euh, ça c'est normal il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César donc vous ne pouvez pas supprimer la, la source en fait euh, mais quelque part c'est pas plus mal puisque ça vous permettra éventuellement de, de, de retrouver euh, vous pourrez aller euh, voyez si vous cliquez dessus on arrive sur l'article donc, vous avez toujours le lien. Vous pouvez retrouver l'article grâce à ça. Et donc, comme je vous disais, la poubelle, donc on va montrer, je vais vous montrer tout à la fin, parce que les informations ne sont pas forcément... Euh, voilà, si vous trouvez une, voilà, une faute d'orthographe, une coquille, euh, vous pouvez euh, supprimer. Donc, je, vous voyez, vous pouvez supprimer soit un petit morceau, soit carrément euh, un paragraphe. Donc, voilà. Voilà. Voilà, j'ai supprimer tout ça, voilà celui-là on va le supprimer aussi. Voilà. Et maintenant qu'on a supprimé euh, ce qu'on qu avait en trop, je vais vous montrer que vous avez possibilité de grossir le texte. Vous voyez là il est plus gros. Vous avez possibilité de le réduire si vous le souhaitez. Bon, là ça fait un peu petit quand même, mais on va repasser à 100. Et pareil pour les images. Donc vous allez voir, bon là il n'y en a qu'une, ça va être vite fait. Mais vous voyez, on peut la passer en 25%. Ou la remettre à 100% par contre les images on peut pas les grossir contrairement au texte et euh, la touche à côté c'est tout simplement annuler bon a priori ça fonctionne pas forcément bref c'est pas compliqué de revenir en arrière alors euh, ah si oui retourner en arrière vous voyez ça, ça a remis euh, les choses qu'on avait supprimé voilà autant pour moi je vous avoue je ne l'utilise jamais. Ça va retourner en arrière. Donc, veuillez m'excuser pour cette information erronée. Oh, on va supprimer encore ceci. Et, 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 et tout en dessous. Voilà. voilà. On a bien notre article. Maintenant, on veut, euh, on veut soit... Là, en fait vous avez trois options pardon excusez moi de bafouiller un petit peu euh, une fois que vous avez fait donc le tri vous avez trois possibilités soit vous pouvez imprimer euh, au sens euh, premier du terme c'est à dire avec une imprimante sur du papier bon, avouons qu'en 2020 c'est un peu has been il euh, vaut mieux éviter parce que euh, du papier c'est c'est de la pollution pratiquement inutile on va dire donc l'impression gardons ça pour vraiment les euh, des documents importants et qu'on euh, n'a pas d'autre choix que de les imprimer. Ce que je vous invite à faire, c'est plutôt euh, soit d'imprimer au format PDF, soit d'envoyer par email. Donc envoyer par email, vous cliquez dessus, vous saisissez l'adresse mail de l'expéditeur, de, du destinataire, pardon, ensuite celle de l'expéditeur et éventuellement un petit message. Ça, c'est notamment si vous voulez l'envoyer à un ami par exemple, euh, ça vous permet de mettre un message. Si vous voulez, vous l'envoyez à vous-même. Vous vous embêtez pas. Vous mettez deux fois la même adresse. Et je sais même pas si vous êtes obligé de, 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 de mettre un message. Je vous je j'utilise jamais ces, cette possibilité. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer. Donc, on passe vite à ça. Imprimer. Bah, C'est pas compliqué. Ça ouvre le gestionnaire de votre imprimante. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse faire parce que d'une imprimante à l'autre, ça peut changer. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui... La fonctionnalité PDF, vous cliquez dessus, vous attendez que ça mouline. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement il vous met en format A4, mais vous pouvez mettre sous format lettres. Je vais repasser en A4. Je ne sais pas si ça change grand chose. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton télécharger votre PDF. Et à choisir le dossier dans lequel vous allez l'enregistrer sur votre disque dur ou votre clé USB, enfin, votre espace de stockage. Donc, voilà. Je vais le mettre dans mon dossier à supprimer puisque je ne vais pas le conserver. Vous cliquez sur enregistrer. Et normalement, vous devriez avoir en bas à gauche de votre écran donc le, euh, le lien du téléchargement. Vous cliquez dessus. Ce qui aura pour effet d'ouvrir le document. Et donc là, on voit le résultat. On a bien notre article en entier. Et bon, il restait une chose que j'ai pas pu supprimer, mais c'était à cause du message d'alerte ici. Alors peut-être qu'on peut, qu peut le supprimer. Je vais voir. Non, a priori, on n'a pas. Mais c'est pas grave. Donc. Si je reviens tout en haut, tout à l'heure il s'était posé la question du, euh, du, du, du sommaire. Et non, en fait il n'est pas repris le sommaire. Je pensais, mais euh, il me semble qu'à un moment donné il s'était pris. Mais euh, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas ici. Alors ça a peut-être peut changé. Enfin peu importe. Le plus important c'est qu'on retrouve bien notre article en entier. Et en fait vous pouvez faire ça avec n'importe quelle page web. Alors une des utilités dont je ne vous ai pas parlé jusqu'ici mais qui peut être intéressante et moi que, enfin que j'utilise régulièrement c'est lorsque je passe une commande sur internet. Euh, je, je fais donc une impression en PDF de, du détail de, du, du produit que j'achète et également du de commande ou de la facture. Comme ça, ça permet de garder une trace de, de tous les détails de, de l'achat qu'on a fait. Si jamais il y a un litige, ça peut servir de preuve et parfois ça peut rappeler au vendeur ses engagements et donc simplifier les choses, éviter d'aller en justice ou de, de se battre pour en rien. Vous avez des billes. Donc pensez-y. Ça peut être très utile, ça euh, ne vous coûte rien puisque c'est une extension gratuite et surtout ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Voilà, et eh bien écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous remercie d'avoir visionné ce tutoriel et euh, écoutez, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Voilà, à bientôt, ciao, ciao